Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale élection régionale. Et ce soir, c'est Gérard Onesta qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes le premier, comme disait hors antenne, c'est vous qui essuyez les plâtres aujourd'hui. Alors, on va vous présenter pour commencer. Vous êtes né à Albi le 5 août 1960. Le 5 août, le même jour, pas la même année, que Neil Armstrong et que l'abbé Pierre, je ne sais pas si c'est un signe. Ouais, mais vous êtes plus jeune quand même. Un petit peu plus. Voilà, donc un peu moins de 50 ans. Oui. Alors, il faut le préciser pour les téléspectateurs qui nous regardent, vous n'êtes pas champion olympique et vous n'êtes pas champion d'Europe de handball. Non, c'est mon cousin, c'est Claude. C'est votre cousin. Que je salue. Ouais. On vous confond des fois dans la rue ? C'est arrivé ? Non, dans la rue, non, quand même, pas tout à fait quand même le même physique, mais parfois dans les médias. Il y a des coquilles sur le prénom qui sont assez savoureuses. Mmh. Il a parfois été un brillant vice-président du Parlement européen, et moi j'ai parfois gagné de belles coupes en handball. Quoi. Alors j'ai trouvé une coupe que vous avez gagnée quand même. Vous êtes champion d'Europe, alors pas de hand, mais vous avez un autre titre européen sur un classement réalisé par le site internet Rue 89. Vous êtes classé de loin le député le plus travailleur. Travailleur, je ne sais pas, en tous les cas, le plus assidu. Puisque, alors, il y avait les deux, ça comprenait l'assiduité, mais aussi les questions que vous posiez. Ah bon, d'accord, ça va, parce que j'ai toujours peur qu'on considère qu'un député qui bosse, c'est uniquement un député qui signe le registre. Ouais. C'est vrai que je n'ai jamais raté un jour de présence en 3 mandats. Mm-hmm. 100% d'assiduité, c'est une marque de fabrique. J'espère bien qu'au conseil régional, les écologistes s'illustreront dans le même registre. Mais effectivement, il y a être présent et il y a bosser. Mm. Je crois que j'étais vécu comme quelqu'un, effectivement, qui essayait de faire bouger les lignes. D'accord, mais c'était quoi ? C'était de la passion ou du professionnalisme, tout simplement ? Oh, c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire que quand on est élu, je pense qu'il faut faire le job, tout simplement. Moi, j'ai toujours été comme ça. Quand on me fait confiance, j'essaie d'être à la hauteur des gens qui m'ont accordé justement cette confiance-là. Et puis c'est la passion aussi. C'est-à-dire quand on veut vraiment changer les choses, si on considère, comme disent les écologistes, qu'on arrive à un moment où la planète souffre, et qu'il faut vraiment s'investir pour sauver le climat, arrêter la crise financière, arrêter la délocalisation, etc., il ne faut pas faire les choses à moitié, sinon on fait autre chose. Voilà. Mm. Et comme je ne cumule pas, voilà. On y reviendra, mais on va revenir d'abord un petit peu sur votre parcours. Vous avez fait des études d'architecte. Voilà, je suis architecte. Voilà, diplômé en 84. Mm-hmm. De suite, vous avez commencé à travailler à la politique, c'était pas inné. Mais finalement, j'ai fait la politique longtemps sans le savoir, puisque j'étais... exactement, des associations où déjà on se préoccupait d'environnement, déjà on donnait la parole à des jeunes dans les quartiers défavorisés. J'étais animateur radio sur des radios libres à Toulouse. Quand je revois les thèmes de mes émissions, c'est quasiment mon programme d'aujourd'hui, quoi, la lutte contre les discriminations, la protection du climat. Déjà à l'époque, l'environnement, ça... c'est pas l'environnement. Je ne suis pas rentré chez les écologistes à travers les petites fleurs, les petits oiseaux. C'est plutôt à travers les injustices. Injustice nord-sud, injustice faite aux femmes, injustice faite aux populations minorisées au sens large. Voilà. Alors quand vous êtes rentré chez les écologistes, alors, je crois, j'ai cette anecdote, vous étiez au volant de votre 2 chevaux. Absolument, vous êtes bien renseigné. Ah, oui, oui. Ah, je peux même dater le moment exact, 16 mars 1986, 20h, pile, quatrième tour. Je l'avais aussi. C'est bien. Je peux vous dire pourquoi, puisque c'était à 7h06, c'était une soirée électorale, on annonçait à 20h le résultat des élections législatives. Mm-hmm. Les écologistes étaient balayés, moins de 1%. Par contre, le Front National rentrait.
à l'Assemblée nationale. Pour la première fois. Exactement. Et là, mon stand de démocrate n'a fait qu'un tour. Je ne suis pas né en Albi pour rien, simplement parce que mes aïeux ont été chassés d'Italie par les fascistes. Donc, la lutte antifasciste dans la famille, ça faisait... Donc, ce soir-là, j'ai pris ma plus belle plume et j'ai dit, bon, là, je me lance, sans trop savoir à quoi je m'engageais. Je ne pensais pas me retrouver un jour devant vous. Alors, vous vouliez vous engager Europe Écologie, non, c'était les Verts à l'époque. C'était une évidence finalement, vous êtes allé là de suite. Disons, j'ai un petit peu regardé la concurrence. Mon cœur était très clairement à gauche à cause de mon parcours familial. Et j'avais besoin d'un parti qui n'était pas une caste d'élus. Ouais. J'avais besoin d'un espace de liberté et d'un espace de générosité. Et c'est vrai que les écologistes, dans ce qu'ils racontaient sur les rapports Nord-Sud, la solidarité intergénérationnelle, la solidarité avec des populations qui voteront jamais pour eux puisqu'elles ne sont pas encore nées, les générations futures. Ouais. J'ai trouvé cette générosité absolument sidérante et très naturellement, c'est à eux que j'ai envoyé ma lettre d'adhésion. Il n'y avait pas grand monde non plus chez les écologistes à l'époque, surtout sur Toulouse. Ça vous a permis de monter les échelons assez rapidement. Ça a été très drôle. Ouais. Je me rappelle la première réunion, on était trois, je dis bien trois, assis sur des paquets de papier recyclé. Donc, c'était vraiment le tout début de... Ouais. Et à la fin de la réunion, moi qui venais d'adhérer, j'étais déjà secrétaire départemental. Bon, ouais. Et c'est vrai que j'étais étudiant à l'époque, j'avais du temps, je me suis investi et assez rapidement, j'ai pris des responsabilités. Au niveau national. Au niveau national et même au niveau européen, puisque la fibre européenne, j'ai fondé les jeunes écologistes européens. Voilà, donc en 88 et en 89, alors là c'est le pack complet, vous présentez aux législatives, aux municipales et aux européennes. Pas les législatives, il n'y a pas de législatives en 89. En 88. Bon, 88 et 89, bon allez. Non, moi en 88, je n'étais pas candidat aux législatives. Vous n'étiez pas candidat. Non. J'ai fait des cantonales. Ouais. C'est la première fois qu'un écologiste passait la barre des 5% dans tout Midi-Pyrénées, ouais. Champagne, parce que c'était vraiment un exploit à l'époque. On était remboursé, rendez-vous compte, on allait aux élections pour être enfin remboursé, on n'allait pas parce que... Et puis j'ai été la plus jeune tête de liste municipale à Toulouse, où là on avait frôlé également la barre des 5%, il a manqué une voix par bureau de vote. Et quelques semaines après, à la surprise générale, à commencer par la mienne, je débarquais à Strasbourg dans un parlement où pour la première fois les écologistes fondaient un groupe politique. Alors il faut expliquer comment ça s'est passé réellement, c'est-à-dire que vous étiez 11e sur la liste pour ces européennes. Voilà. Normalement 11e, finalement vous avez eu cette place parce que 11e c'était quasiment inéligible. Voilà, à l'époque quand ça s'est décidé, je m'y revois encore, c'était début janvier 89, les sondages donnaient 2%. C'était une liste nationale, à l'époque on n'est pas grande circonscription. Elle disait alors soyons fous, si on atteint la barre des 5%, on aura 4-5 élus. Voilà. Et puis bon, les écologistes historiques ont pris les places historiques, les Yves Cochet, les Vecheter, etc., les Dominique Voynet. Et puis quand on est arrivé au-delà de la 10e place, le premier petit jeune qui a levé la main en disant « Écoutez, moi je suis tête de liste à Toulouse, ça m'aiderait peut-être un petit peu d'avoir une notoriété, allez, va pour Onesta. » La chance, c'est qu'on n'a pas fait 1 ou 2%, on a passé la barre des 10. Voilà, du jour au lendemain, je me suis retrouvé. Donc ça fait 9 places. Alors pour expliquer réellement, fait 9 places. Voilà. Vous étiez 11e, mais on avait un système. Mais il y a un système de tourniquet. On avait un système où pendant 5 ans, les 18 premiers, les 2 fois 9, ont été présents au Parlement européen. Donc pendant 2 ans et demi, j'avais un statut de collaborateur politique avec droit de vote à l'intérieur du groupe politique, mais bien évidemment pas en plénière, même s'il m'arrivait d'écrire des discours que lisait ma co-députée. Et j'ai fait la même chose au bout de 2 ans et demi, quand je suis devenu donc député à part entière. Mais c'était 5 ans. C'est assez intéressant parce que pendant 5 ans, on a formé, entre guillemets, 18... Ça vous a permis d'apprendre. Voilà, on a formé 18 personnes. Et le jour où j'étais député en plein exercice, j'ai démarré sur les chapeaux de roue parce que je ne découvrais pas la maison. Donc ça, c'était en 91. Voilà. À 94, il y a eu une sacrée déroute pour les Verts. Disons que le Parti Socialiste avait eu la mauvaise idée de créer Génération Écologie. Et les voix se sont partagées, et aucun des deux n'a passé la barre des 5%. Voilà. Donc on est en jachère. Mais c'est pas plus mal, de temps en temps, de sortir de la bulle élective. J'y suis revenu en 99. Voilà, 99, puis alors là, et 4 mandats de vice-président. Voilà, ça c'était la surprise dans la surprise. En principe, vice-président du Parlement, comme toutes les responsabilités, président du Parlement, c'est 2 ans et demi. Et j'ai été réélu 4 fois de suite. Alors c'est un bulletin secret. En principe, on a les voix de son groupe, c'est-à-dire une quarantaine en ce qui me concernait, puisque c'était à peu près le nombre qu'on avait, 42, 43 députés européens à l'époque.
Et puis, finalement, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, puisque dans l'ordre hiérarchique, en fonction du nombre de voix obtenues, j'étais devant les vice-présidents communistes, libéraux, même socialistes. J'ai fini tout en haut de la pyramide. Donc, 10 ans à vice-président du Parlement, mais en ayant bien dit qu'au bout de 10 ans, j'arrêtais. Quand on fait 2 mandats consécutifs, j'écoutais ce matin le maire de Paris qui disait qu'il s'appliquerait cette règle-là. Ouais. Elle est très saine. Je le dis à Martin Malvy, ça l'a fait sourire. Baudis l'a fait aussi ici. Exactement. Un petit peu avant. Se remettre en cause, et quand on croit à une règle, on se l'applique. Bon, vous êtes croisé d'ailleurs avec Dominique Baudis, puisque lui, il est maintenant au Parlement européen. Qu'est-ce qui fait que, justement, toutes ces personnes ont voté pour vous, qui n'étaient pas forcément de votre courant? Vous êtes plutôt apprécié là-bas? Faut croire, puisque c'est un bulletin secret et que j'ai aucun moyen de pression autre que ma capacité de travail. J'ai un petit surnom, Réglo Nesta, ça vous dit? Réglo Nesta, vous êtes bien renseigné. Oui, je suis vécu comme quelqu'un de très réglo. Ouais. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, je m'y tiens. Je suis très ferme dans mes valeurs, mais j'ai une capacité d'écoute des autres. Mmh. On me confiait des missions parfois très délicates. Vous savez, un vice-président a qu'on appelle un portefeuille, une responsabilité. Ouais. À la fin, j'en avais 7. Autant vous dire que là, pour le coup, je cumulais le boulot. Mais c'était parce qu'on me donnait des missions parfois très difficiles, comme le statut des assistants parlementaires, des choses qui étaient indéminables, paraît-il. Il faut croire que j'ai une capacité d'écoute, une capacité de travail, voilà. C'est quoi que vous êtes le plus fier? L'Agora citoyenne, peut-être? Ah, il y a d'autres trucs comme ça que j'ai créés qui me plaisent assez. Oui, l'Agora citoyenne, c'est quoi? C'est partant du principe que l'Europe est très mal comprise, que c'est vrai que les technocrates décident souvent tout seuls, alors que c'est un projet citoyen très très fort, il fallait, selon moi, quand un gros sujet arrive à l'agenda du Parlement européen, on puisse en débattre dans l'hémicycle, pas simplement entre députés, mais avec tous les représentants de la société civile, les grandes ONG, les grands syndicats, les grandes associations, etc. Quand j'ai proposé ça, c'est un petit peu ricané dans l'hémicycle. Qu'est-ce que tu vas nous faire, on insta du Porto Alegre au sein du Parlement, un contre-parlement? Ben, il y a eu beaucoup de résistance, de la droite on l'imagine, mais du groupe socialiste aussi. Ouais. Pire ennemi, c'était Martin Schulz, le président du groupe socialiste, qui a tout fait pour empêcher cette chose-là. Alors Martin Schulz, c'est le copain de Danny Cohn-Bendit. Le grand copain de Danny Cohn-Bendit, celui qui se voit déjà président du Parlement et qui a payé ça fort cher, puisque 91% des députés socialistes, il y a 15 jours, ont voté l'investiture à Barroso. 91% des députés socialistes ont mis en place la commission de Barroso. Tout ça pour qu'un retour d'ascenseur, M. Martin Schulz, se retrouve dans le fauteuil du président du Parlement dans un peu plus d'un an et demi. Donc, l'Agora citoyenne, on a fait des tests grandeur nature, puisqu'on l'a réalisé plusieurs fois. Mmh. Ça a tellement bien marché, ce mécanisme où l'on coécrit entre société civile et élus les textes, notamment sur le changement climatique, que le dernier vote qui a eu lieu au Parlement avant que je le quitte, c'était d'inscrire l'Agora citoyenne dans le règlement du Parlement. Voilà. Mmh. Donc, ressemble à de la démocratie participative quand même. Oui, mais à part que là, ce n'est pas simplement des discours, on tend le micro, on tend le micro et on tend le stylo. C'est-à-dire que les gens sont en situation, pas simplement de commenter, mais également de co-rédiger. Et c'est quelque chose qui me passionne, l'implication des gens dans la vie politique. Si on considère que le 14 ou le 21 mars, on a fait son acte citoyen pour 4 ans et qu'ensuite on ne s'occupe plus de la région, pour moi, ce n'est pas du tout comme ça qu'on doit fonctionner. Le fait que vous prenez le référendum. Le référendum, le budget participatif, tout ce qui fait qu'une démocratie est moderne. Moi, j'en ai assez de voir ces élus qui, parce qu'ils ont eu quelques voix de plus que l'autre, pensent qu'ils sont en capacité de couper, de trancher. Il y a beaucoup plus d'intelligence dans plusieurs têtes que dans une seule. Alors, on va se tourner vers la région maintenant. Qu'est-ce qui vous attire dans ce nouveau mandat? Alors, je suppose que si vous avez arrêté le mandat européen, je l'ai lu un petit peu partout, vous étiez un petit peu fatigué aussi déjà C'était pas une fatigue, c'était une envie de se renouveler. On a parlé de l'Agora citoyenne, mais j'ai lancé des choses comme par exemple le prix du cinéma européen qui m'a valu d'être nommé député européen de l'année. Prix Luxe Le fameux prix Luxe, donc, bonne fiche ici. Donc, je voulais pas arriver un matin dans mon bureau de vice-président en disant c'est quoi l'idée du jour, quoi. Voilà. Donc, il faut savoir se renouveler et en plus, bon, laisser ma place à des Eva Joly ou à des José Bové, ça avait quand même de la gueule. Ouais, il voilà, y a pire. Il y a pire, exactement. Voilà. Et j'avais toujours eu envie, parce que c'était comme ça qu'on avait conçu notre projet européen, de dire c'est bien de penser global, mais il faut agir local. Moi, on l'a vu à Copenhague, c'est beau, c'est bien d'avoir les meilleures idées du monde pour sauver le climat. Quand ça bloque au niveau des grands chefs d'État, il faut que les collectivités territoriales, quelque part, supplient ça, en changeant leur mode de transport, l'agriculture, etc. Voilà.
Donc je me suis dit que c'était une façon peut-être utile de recycler l'huile usagée que je pouvais être, que d'investir au niveau régional. Mais du coup, cette expérience que vous avez acquise au niveau européen, elle va vous servir finalement à quoi? Qu'est-ce que ça va être le plus que vous allez pouvoir faire? Alors le plus, d'abord, je sais présider une assemblée. Je sais gérer des budgets colossaux. Je peux vous dire que le budget du Parlement européen, c'était quand même autre chose que le budget de la région. Je sais animer une administration complexe, celle du Parlement européen. Elle venait de 27 pays, elle parlait 23 langues en 3 alphabets. Donc, voilà. Donc, on a une capacité déjà de ne pas être dépassé par la technostructure. La compétence, déjà, vous. Voilà, j'espère que quelque part, maintenant, les écologistes ont cette crédibilité-là, pas simplement pour les thèmes qu'ils portent, mais montrer qu'ils sont également de bons gestionnaires. Également, la région a ceci de commun avec l'Europe, c'est qu'elle ne décide pas, elle impulse. Elle impulse. L'Europe, quand elle vote une directive, c'est ensuite chaque parlement national qui remet ça à sa sauce. Mais la région également, elle ne décide pas du jour au lendemain, voilà ce que l'on va faire. Elle dit, on va lancer un grand schéma sur les transports, on va réorienter l'agriculture dans ce sens-là, on va pousser les collectivités territoriales à revoir l'urbanisme comme ça, voilà. Donc, ce mécanisme-là m'intéresse assez et je pense que l'école européenne a été une très belle école pour moi. En plus, on considère que cette région, ici à Midi-Pyrénées, n'est pas du tout suffisamment ouverte vers l'extérieur, notamment au niveau européen. Moi, je voyais la représentation de Midi-Pyrénées à Bruxelles. Bon, c'était des gens qui se décarcassaient pour que ça marche, mais enfin, le type est tout seul avec sa stagiaire et sa demi-secrétaire. Voilà. Donc, on voit bien que... Comme dirait M. Cabroyer, ce n'est pas une ambassade. Hein. Qu'est-ce que j'aurais aimé que ce soit une vraie ambassade? Parce que quand je vois, entre guillemets, l'ambassade de Bavière qui est dans la rue du Parlement, là, ils ont, je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines de salariés, je peux vous dire qu'il n'y a rien qui se passe au niveau européen qui soit directement connecté à la Bavière. Tandis que nous... personne en Europe ne sait où placer sur la carte Midi-Pyrénées. Alors peut-être que ma connaissance justement des lieux de pouvoir européens peut également aider ma région. Alors il y a un point commun entre ces deux élections, c'est le taux d'absentéisme, souvent. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu à nos téléspectateurs, à travers ces quatre plateaux, un petit peu à quoi ça sert la région. Alors je vais vous la poser comme ça la question, à quoi ça sert réellement la région, quelles sont les compétences? Alors on va faire rapide quand même. Alors il faut savoir que la région fait un petit peu également ce qu'elle a envie de faire, puisqu'elle a ce qu'on appelle la clause de compétence générale. On considère par exemple que Midi-Pyrénées pourrait faire des choses beaucoup plus fortes dans des domaines où pour l'instant elle a peu agi. Le logement, lutte anti-discrimination, la jeunesse, la santé, elle ne s'est pas saisie de la compétence santé, alors que la région, à travers ce qu'elle fait déjà, l'agriculture c'est l'alimentation, c'est la santé. Les transports, c'est la pollution. Changer le transport, moins de pollution, impact sur la santé. Elle fait de la formation. Ah, la formation également, ça peut être aux écofilières qui créent des choses entre guillemets propres, énergie renouvelable par exemple, ou la formation à la prévention des maladies. Voilà. Donc on voit qu'on pourrait avoir une action. La région a ceci de formidable, c'est que c'est un espace d'expression politique assez ouvert. Alors après, il y a des figures imposées, c'est comme patinage, il y a les figures libres, les figures imposées. Figures imposées, c'est le transport, notamment le transport ferroviaire, même si la région Midi-Pyrénées a fait peu de choses pour le fret ferroviaire. Il y a la formation, des choses sur le tourisme, sur l'environnement, sur l'action économique, l'aide à l'emploi. Vous voyez, c'est un panel très large, mais la région ne décide pas directement. Elle impulse, elle fixe un cadre, voilà. D'accord. Et ça, c'est très proche du fonctionnement européen. C'est pour ça que je pense que ce ne serait pas mauvais. Bon, on essaiera de compléter ça avec les autres candidats. On va passer à la campagne maintenant. Il y a eu la présentation des listes, la présentation des programmes, de nombreux meetings qui sont organisés. Pour vous, ça a commencé depuis bien plus longtemps que ces trois dernières semaines. Ouh là là. On a fait quasiment fondu enchaîné. On est en campagne pour les régionales. Quasiment qu'on était déjà encore en campagne pour les européennes que déjà on est en campagne pour les régionales. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est les deux mi-temps d'un même match. On est assez content de mener à la mi-temps, d'avoir vraiment fait un très joli score en juin. Et notre objectif, c'est de retrouver ce score-là. Est-ce que ce sera 1 ou 2% au-dessus, 1 ou 2% en dessous, on ne sait pas. Mais montrer que l'écologie, maintenant, pèse lourd, pas simplement one shot, comme on dit en occitan dans le terme, mais d'une manière assez générale pour structurer les politiques publiques. Et prendre ces 5 mois d'avance, finalement, c'était pourquoi? Pour rattraper un petit retard sur les autres? Non, ce n'est pas une histoire de retard, c'est une histoire qu'on voulait être vraiment à l'écoute du territoire et de ses habitants. Effectivement, dès la sortie de l'été, on a commencé à quadriller le terrain comme jamais.
Je peux vous dire que là, je rentre, par exemple, hier j'étais dans les Pyrénées, avant-hier dans le Comminges, demain dans l'Aveyron, après demain dans le Tarn-et-Garonne, mais les gens ne me voient pas pour la première fois, ils me voient pour la cinquième, sixième, septième fois. Donc déjà, ça crée une relation tout à fait différente. Quand vous êtes venu pendant des mois pour écouter les gens, quand on a pondu notre programme, pas simplement parce que la tête de liste s'est enfermée tête à tête avec elle-même pour rédiger des propositions, mais parce qu'on a organisé 1000 points de contact, je dis bien 1000 points de contact, 150 rédacteurs, des dizaines de forums thématiques avec les sociétés civiles pour parler de transport, les spécialistes de l'agriculture, les spécialistes du tourisme. Quand on a fait des blogs participatifs sur Internet, quand on arrive avec un état des lieux, il est lucide. Quand on arrive avec des 200 propositions, elles sont ciblées. Là, on est dans le lourd. Donc la crédibilité, ça se construit pas en 3 semaines. Voilà, ça se construit tout ce qu'on a fait depuis des décennies, et sur la régionale, particulièrement, avec cette écoute et cette co-élaboration, on retombe un petit peu sur mon mécanisme d'agora. Vous voyez, on ne se refait pas. Quand on croit vraiment aux citoyens, les écologistes n'ont pas peur des citoyens. Voilà. Peut-être qu'il nous différencie des autres. Ouais. On voit pas le citoyen comme un animal étrange à qui il faut promettre beaucoup de choses et qu'on oublie entre deux élections. Ouais, alors cette démocratie participative, ça me fait vraiment beaucoup penser à Ségolène Royal. C'est vous qui piquez l'idée ou c'est elle qui vous a piqué l'idée ? Non, d'abord, la démocratie participative, ça existe depuis plusieurs siècles. Hein. Ouais. Bon, ça a été remis au goût du jour il y a pas longtemps. Il faut quand même le savoir. Je sais bien que Ségolène Royal a expliqué partout que même Barack Obama lui avait piqué sa campagne, c'est peut-être excessif. Voilà. Bon, mais enfin, si on le comparait au Nesta et Obama, après tout, la comparaison serait flatteuse. Donc, plus sérieusement, il y a démocratie participative dans les discours et celle dans les actes. Et là, tout le monde sait en Midi-Pyrénées qu'on n'a pas joué un double langage et que systématiquement, c'est la force des écologistes. Tout le monde sait que nous sommes issus du milieu associatif, du milieu syndical, du milieu des ONG. Donc très naturellement, on est comme un poisson dans l'eau dans cette affaire-là. Voilà. Donc on fonctionne comme ça naturellement. Mais l'agora citoyenne est une des méthodes de travail. Il peut y avoir, on parlait de référendum tout à l'heure, on ne comprend pas comment en France cet outil du référendum n'est jamais, jamais, jamais utilisé. Est-ce que par exemple en 2 mandats, Martin Malvy n'a pas eu une fois une envie de dire tiens, cette grande option agricole, cette grande option transport, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je la valide en faisant un grand débat pendant plusieurs semaines? Mais la démocratie, ça n'a pas de prix. C'est un coût, mais ça n'a pas de prix. Ouais. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire ça que de constater dans l'urne qu'un citoyen sur deux ne va pas se déplacer. Parce que la faible taux de participation le 14 mars, c'est dans le bilan de Malvy. C'est-à-dire qu'on n'a pas su faire aimer la région. On n'a pas su impliquer les gens dans un projet. Voilà. Alors, non, ça coûte pas cher. La démocratie, ça coûte très très cher le jour où ça s'arrête. Ah oui, là, ça coûte cher. Bon, alors ces derniers temps, vous venez de le faire là, vous critiquez pas mal Martin Malvy. À côté de ça, on a l'impression qu'il va y avoir quand même fusion au second tour. Comment vous allez pouvoir expliquer à vos électeurs que vous le critiquez pendant toute la campagne, il va falloir voter pour lui? D'abord, je critique ce qu'il y a à critiquer, je salue ce qu'il y a à saluer. Hier, j'étais dans une maison de l'emploi du côté de Bagnères-de-Bigorre. Et là, j'ai salué parfaitement l'action de l'équipe sortante qui a su mettre ces maisons où on regroupe ACDIC, l'éducation nationale, le pôle emploi, etc. Voilà, ça, ce sont de bons outils. Quand les choses marchent, il faut dire que ça marche, point. Voilà. Mais quand les choses ne marchent pas, par exemple le fret, par exemple la gouvernance où le président est en surcapacité quasiment de décider tout seul, sur le bio où on a cassé complètement la filière en 2003 et qu'on a incapacité maintenant de fournir du bio dans les lycées, quand on s'amuse de dire que l'on fait du HQE dans les lycées et que je vais, moi, dans le Lot, voir un lycée qui est à Figeac, une ville que connaît bien Martin Malvy, où on nous explique qu'après réhabilitation, on dépense plus d'énergie qu'avant et que la région, pour toute réponse, dit « vous prendrez sur le budget pédagogique », je ne peux pas dire que je trouve ça extraordinaire. Voilà. Donc, on essaie de calibrer ce qui est bon et bon, ce qui est moins bon et moins bon. Voilà. Comment envisager le deuxième tour? Nous, on a mis 3 conditions sur la table. La première, c'est le respect de ce que vont décider les électeurs. Tout le monde sait que la droite ne prendra pas la région. Madame Barrège vous dira peut-être le contraire, mais elle ne trompe personne, même pas elle-même. On lui posera la question demain. Absolument. Mais donc, de ce côté-là, on peut dormir tranquille. La droite qui a cassé à peu près tout ne cassera pas la région Midi-Pyrénées. Ouf. Ça, cette hypothèse est balayée. Donc, on sait que c'est le camp progressiste qui va garder la région. Eh bien, le 14 mars, on demande aux gens de fixer le curseur. Voilà. Vous voulez... Quelle proportion vous voulez dans ce nouveau gâteau régional, la dose d'écologiste par rapport à la dose socialiste? Choisissez. Eh bien, ce curseur, là où il s'arrêtera, ce sera pour nous la règle de la fusion.
si fusion il y a, ce sera, si le rapport est de 2 à 3, ce sera 2 à 3, ce ne sera pas 1 à 4. Et c'est vrai que les socialistes n'ont pour l'instant pas le même dictionnaire que nous. Quand ils parlent de proportionnel, ils ont une vision très spéciale proportionnelle, où ils gardent la prime, les restes départementaux, prennent toutes les têtes de liste. Voilà. Non, ça, ça ne va pas. Ça, c'est la première raison qu'il va falloir trancher, c'est le respect du partenariat. Deuxième chose, on fait un accord sur quoi ? On ne va pas faire un accord autour d'un grand vide. Il faut bien qu'on trouve un moment pour dire, ben voilà, c'est quoi votre position sur les transports, votre envie d'agriculture, comment on redéploie le tourisme, est-ce que c'est toujours du tourisme monomaniaque où on met tout sur le ski pendant quelques semaines, on fait des infrastructures qui bousillent la biodiversité. Et ça, à l'entre-deux-tours, c'est possible d'arriver à parler de tout ça ? Nous, ça fait quand même quelques mois, et je l'ai dit à Martin directement, les yeux dans les yeux comme je vous parle, je dis, Martin, il faut que l'on se, que l'on se rencontre. Mm. On ne va pas faire en 3 heures ce qu'on n'a pas fait en 3 mois. Donc là, j'ai une certaine inquiétude, on va dire ça comme ça. Et il y a une troisième chose qui s'est intercalée depuis les fêtes de fin d'année, c'est ça vaut quoi un accord avec les socialistes ? Quand on se rend compte que sur Toulouse, les accords passés avec les écologistes sont déchirés, où les gens préfèrent, chez les socialistes, cumuler les mandats plutôt que de partager les responsabilités, alors qu'ils s'étaient engagés devant les électeurs à une répartition des compétences, une répartition du travail, et puis une certaine politique, notamment en matière de transport. Je dis Toulouse, je pourrais dire Ramonville, je pourrais dire Périgueux, je pourrais dire Lyon, etc. Mmh. Donc c'est très difficile d'expliquer que là, au mois de mars, on va avoir un super accord avec un super parti qui s'appelle le Parti Socialiste, alors que le même parti, il y a quelques semaines, a déchiré un accord équivalent. Voilà. Mmh. Là aussi, j'aimerais que Martin Malvy dise une phrase du genre Cohen c'est Cohen et Malvy c'est Malvy. Voilà, je pense qu'à 74 ans depuis hier, on a quand même un petit peu, on est rompu à la dialectique politique pour trouver des mots pour dire ça. Il ne dit rien. Alors, est-ce qu'il pense qu'il sera en capacité d'être élu tout seul ? Certains socialistes disent on fera 50% au premier tour, la gauche de la gauche sera balayée, les écologistes seront sous les 10%. Et si c'est leur option, c'est pas rendez-vous le 14 mars, c'est rendez-vous le 21. Vous voyez ? Nous sommes ouverts à un partenariat. Mm. Je n'ai aucun problème. On l'a prouvé. Le Capitole ne serait pas occupé par un socialiste si j'avais décidé personnellement que ce n'était pas ma tasse de thé. Donc, mon cœur est très clairement à gauche. Nous sommes là pour battre l'UMP. Je ne désespère pas que la liste Europe Écologie que je conduis soit devant la liste UMP le soir du premier tour. C'est une bonne façon de montrer à Mme Barège qu'entre elle et nous, il n'y a aucune passerelle possible. Elle est l'antithèse de notre projet, de nos pratiques et de nos valeurs. Point. Si jamais elle essaie demain de vous faire croire je ne sais quel accord, peut-être possible, etc., elle se moque de vous et des Midi-Pyrénées. Je pense qu'on va en reparler tout très à l'heure. Très bien. Voilà. Donc, très clairement, notre cœur balance du côté progressiste. Il n'y a pas l'ombre d'un commencement d'août. C'est comme substantiel à ma personne, à l'histoire de ma famille. Mais pour autant, ce sera dans le respect du projet. Parce que si c'est pour conforter le Parti Socialiste dans ce pratique assez fossile des politiques publiques, où il découvre le développement durable juste pour décorer un petit peu le discours, voilà, je suis désolé, le climat n'attend pas, la biodiversité n'attend pas, la misère humaine n'attend pas, la pollution n'attend pas. 13 700 cancers de plus l'an dernier en Midi-Pyrénées, on vit dans un monde globalement empoisonné, il faut quand même changer les choses. Voilà. Alors, quelques sondages sont annoncés, paraît-il, entre maintenant et le premier tour, notamment des sondages qui testeraient les possibilités de triangulaire. Mmh. On verra bien si, dans l'hypothèse où l'on se maintenait, si on passe, je sais pas moi, de 15 à 8 ou de 15 à 20. Voilà, en se maintenant. Déjà, ça donnera une indication sur est-ce que les gens sont prêts à nous suivre si... voilà. Donc rien n'est décidé donc pour j'attends que Martin Malvy bouge. Mmh. Nous, on a mis une règle des jeux très claire sur la table. Je pense que tout le monde peut la comprendre. On a un respect des citoyens qui vont décider le dosage, on a un respect du projet et on a un respect dans le temps pour que ce ne soit pas chiffonné au bout de 3 semaines. Voilà. Bon, ben on lui posera la question en tout cas ici. Alors, relations. Si vous avez la réponse, vous êtes très bon parce que moi, ça fait 3 mois que je l'attends. Mais vous verrez, j'y arriverai. Alors, relations entre Vert et PS, on a quand même posé la question à Arnaud Laffont, la tête de liste du MoDem. On l'écoute tout de suite et puis on réagit juste après. Les Verts, le PS, moi, c'est une espèce de feuilleton auquel je ne comprends plus rien. Ils ne sont d'accord sur rien. Ils s'excluent les uns par rapport aux autres dans les organes de gouvernance en matière de transport. Ils sont source d'incapacité et d'inefficience quand ils veulent gouverner ensemble. En témoigne l'actualité récente. Donc, ils se disent appartenir à la même sensibilité de gauche. Avant d'être verts, les verts sont des gens de gauche. Ils veulent gouverner et gérer avec d'autres gens de gauche, mais quand ils sont ensemble, ils n'arrivent à rien. Donc, je vois pas en quoi les Verts et le PS c'est quelque chose de différent. On a vu quand ils étaient tous les deux présents l'un à côté de l'autre, le résultat était désastreux.
d'accord sur rien, on ne gérerait pas une 18 régions sur 22 ensemble en France. Mmh. Et quand on dit que le bilan des sortants est parfois bon dans certaines régions, tout le monde y voit la touche écologiste. Et c'est vrai que, par contre, à contrario, dans le bilan de Martin Malvy, on voit bien le manque d'écologie, puisqu'il n'avait pas souhaité il y a 6 ans, mmh. je vais le dire comme ça, de manière le plus soft possible, que nous soyons au conseil régional. Mmh. Si vraiment, entre écologistes et socialistes, les choses fonctionnaient si mal, ça se verrait dans toutes les assemblées municipales, dans toutes les assemblées régionales et même au Parlement européen. La seule différence, c'est qu'on ne fait pas semblant de s'entendre quand on n'est pas d'accord. Quand Martin Schulz au Parlement européen est absolument odieux vis-à-vis de Danny Cohn-Bendit, Danny trouve les mots pour le renvoyer dans les cordes. Voilà. La différence, elle est là. On sait se faire respecter. C'est parfois incompréhensible pour la gauche traditionnelle. Et là, moi, j'attends beaucoup de ce que va dire le Front de Gauche, qui est très critique au premier tour, mais beaucoup moins en situation de faire les difficiles au second tour. Nous, on est peut-être critique au premier, mais on sera très pointilleux au second tour. Voilà, la différence, elle est là. Bon, on va passer à une autre partie de l'émission. Je vais vous poser 3 questions. Mm-hmm. On va essayer de répondre assez rapidement quand même. Ces 3 questions, je les poserai à chaque candidat. On attend au pire. Non, c'est des questions toutes simples. La première, par exemple, de quel œil vous voyez la suppression de la taxe d'habitation ? Taxe professionnelle. De la taxe professionnelle, pardon. Parce que la taxe d'habitation, c'était nouveau. Non, de la taxe professionnelle, pardon. C'était un impôt, effectivement, qui n'était pas forcément très intelligent, puisqu'il empêchait parfois d'embaucher. Donc, il faut toujours détaxer ce que l'on veut promouvoir, notamment la main-d'œuvre. Mais de mettre les régions en situation d'être totalement dépendantes de Paris, parce que les régions, les collectivités territoriales en général, ne pas avoir leur propre autonomie financière est un scandale absolu. Martin Malvy a fondé l'Euro-Région. J'étais à ses côtés à Bruxelles le jour où elle s'était signée, donc c'est quelque chose que j'ai suivi d'assez près. C'est une coquille intéressante, mais qui est un petit peu vide. Mmh. Et surtout quand on compare les partenaires. Quand Martin Malvy est face à son homologue autour de la table de l'Euro-Région de Catalogne, Martin Malvy pèse 1,3 milliard de budget. Le budget des Midi-Pyrénées. En face, il a la Catalogne qui pèse 37 milliards. Vous voyez de quel côté de la table est le nain politique et le nain budgétaire. Voilà. Alors vous imaginez si en plus on supprime aux collectivités territoriales le peu de capacité qu'elles ont de définir leur propre budget, mais on va à l'encontre du mouvement historique qui partout en Europe fait monter le fait régional. Donc c'est bien de réinventer la fiscalité, la taxe professionnelle n'était pas une bonne fiscalité, mais si on ne donne pas les moyens aux collectivités territoriales, notamment aux régions, d'avoir des vraies marges de manœuvre, alors là, on flingue le projet régional et certainement le projet républicain en même temps. Bon, tout autre sujet, bon, on connaît à peu près votre réponse, mais bon, je vous la pose quand même. Doit-on faire un axe autoroutier entre Toulouse et Castres ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que quand je discute avec des gens du conseil d'administration de Total, qui n'est pas suspect d'être anti-pétrole primaire, ils nous disent que dans 10 ans, leur cœur de métier ne sera plus le pétrole. Les pétroliers nous disent que dans 10 ans, leur cœur de métier n'est plus le pétrole. Voilà. Eh bien, en Midi-Pyrénées, on n'a pas compris qu'il faut préparer une stratégie pour le post-pétrole. Une autoroute, ça avait peut-être sa logique quand on ne savait pas l'impact climatique, quand on ne savait pas l'impact sur la biodiversité, quand on ne savait pas l'impact sur la santé et qu'il y avait du pétrole abondant et peu cher. Quand on sait maintenant qu'on va aller vers une ressource rare et qui va manquer, et cher, continuer dans cette logique du 21e siècle alors qu'on est passé depuis 10 ans au 21e, on se trompe complètement. Quand on regarde le cahier du grand débat national qui était ouvert pour ces choses-là, on nous dit que cette autoroute qui va siphonner à dizaines de millions d'euros, si ce n'est à centaines de millions d'euros, l'argent de la puissance publique, qu'elle soit nationale, régionale ou autre, ça va permettre, tenez-vous bien, de gagner 10 minutes entre l'embouteillage de sortie de Castres et l'embouteillage de rentrée de Toulouse. Donc on considère que ce n'est pas un critère de bonheur, ces 10 minutes gagnées. Le problème, c'est que si on siphonne tout l'argent là-dessus, comment on fait le ferroutage ensuite ? Comment on fait le RER cadencé pour les trains de voyageurs qui ne passent pas une fois toutes les heures, qui s'arrêtent à 5 heures et qui passent tous les quarts d'heure, y compris en soirée, notamment pour Castres ? Donc il y a des arbitrages à rendre. D'un côté, on a une technologie qui est dépassée, qui est prédatrice d'espace, de budget,
qui casse la diversité, qui flingue le climat. Et d'un autre côté, on a la possibilité avec cet argent-là de faire autre chose. Voilà. Donc nous, on n'a pas le curseur bloqué au XXe siècle. On est passé au XXIe, c'est ce qui nous différencie. Voilà. Donc mais pour autant, on est contre, mais pour autant, ponctuellement, on est pour des aménagements routiers. Mmh. On n'est pas anti-bitume primaire. Il ne faut pas caricaturer notre position. Il y a des camions qui passent encore dans des agglomérations. Là, il va falloir faire des aménagements. C'est très clair. Mais on ne bouffera pas tous les budgets pour faire du bitume. Là aussi, c'est très clair. Bon, et dernière question. Est-ce qu'on doit mener une politique de réintroduction d'ours dans les Pyrénées? Oui, oui. Pourquoi? Parce que partout où l'ours est présent en Europe, par exemple en Italie, Slovénie. En Slovénie, en Espagne, on voit qu'il apporte la richesse à travers le tourisme, à travers un pastoralisme qui est protégé. Vous savez, l'ours, c'est vrai, c'est un prédateur. L'ours tue 250 brebis par an dans les Pyrénées. Vous savez combien de brebis qui disparaissent par an dans les Pyrénées? 50 000. Donc l'ours représente 0,5% du problème. Même si tous les chasseurs s'y mettaient pour flinguer tous les ours, il resterait encore 99,5% du problème. Or, on se rend compte que chaque fois que l'on aide le pastoralisme à se protéger contre l'ours, on protège le troupeau contre tout le reste. Donc c'est gagnant pour l'ensemble. Mais c'est vrai que c'est instrumentalisé par des gens qui ont cassé la ruralité. C'est le Midi-Pyrénées qui a perdu la moitié de ses paysans en 20 ans. Ceux qui restent disent que maintenant, le moindre prédateur peut les tuer définitivement. L'ours est de la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour certains, mais ça n'a pas rempli le vase. Voilà. Donc, se servir de cette pauvre bestiole comme bouc émissaire est absolument indigne. Et puis, imaginez également comment notre société, où en serait notre société si elle refuse à ce point une part de sauvage. Vous imaginez dans quel schéma mental on est? Comment peut-on dire qu'il faut protéger les baleines ici, les éléphants ailleurs, et nous, on a quelques... Les Espagnols en ont 10, 20, 30 fois plus, et ça se passe en parfaite intelligence, notamment au niveau de l'agropastoralisme. Ça prouve bien qu'on a un problème ici. Le prédateur, c'est pas l'ours, c'est le ministre de l'Agriculture, qui n'a jamais donné les moyens à cette agriculture de montagne de vivre décemment. Nous ne nous trompons pas d'ennemis. Hein, voilà. Bon, donc, réintroduction. Avant de passer aux grands axes de votre campagne, comme pas mal de monde, j'ai regardé le débat sur France 3 dimanche dernier. Et ça vous a fait aimer la région. Ça m'a fait. Hein, à 11h30 du soir, je dis, je ne comprenais pas la région, maintenant je sais pourquoi j'aime la région. Exactement. C'est quand même dramatique de faire vivre un débat régional uniquement à travers ça quelques semaines, une fois tous les 6 ans avant l'élection. C'était un aparté. Oui, d'ailleurs, on y reviendra dessus, puisque dans vos axes de campagne, vous voulez créer une télévision régionale, oui. Je crois. Ben comme ça se fait dans toutes les grandes régions européennes. Donnez un coup de zapper, regardez ce qui se passe en Espagne, en Allemagne, en Italie ou autre. Vous allez voir que vous avez 10, 20, 30 chaînes qui ne font pas un décrochage d'une heure par jour, mais qui ont des vrais programmes qui permettent à tous les cultureux, dans le Midi-Pyrénées, on a une richesse d'expressions culturelles qui ne trouvent pas de vecteur de diffusion. Ça ne viendra pas en déduction de France 3 ou de TLT ou de votre estimable chaîne. Il y a des partenariats à trouver, mais on pense que l'offre télévisuelle n'est pas du tout à la hauteur dans les régions françaises. Une fois de plus, comparons vis-à-vis de ce qui se fait à l'extérieur. Alors, je reviens sur ce débat. Revenez. Sur la fin du débat, Brigitte Barrège a tenté de vous tendre la main. Pathétique. Elle l'a tenté, mais le générique est parti un peu vite et elle n'a pas eu le temps de finir. Alors, je vais lui laisser, moi, le temps de finir et puis vous lui répondrez juste très après. Très bien. Je pense qu'on aura, j'aurais aussi plaisir à lui parler de notre bilan, de mon bilan d'élu, de Montauban, mais de mon bilan de parlementaire. Je pense que le gouvernement a, plus que tout autre gouvernement, porté haut et fort le développement durable, la lutte contre le réchauffement climatique avec Copenhague, avec le Grenelle de l'environnement. Moi, j'ai déjà appliqué le plan climat sur ma commune. Je suis dans des démarches HQ, vous savez, haute qualité environnementale, sur l'ensemble des chantiers de la ville. J'ai des véhicules électriques gratuits en cœur de ville pour éviter de polluer. Bon, c'est-à-dire que dans ces sujets-là, je suis sûre peut-être que je suis plus verte encore que M. Onesta. Plus verte que Gérard Onesta. C'est très drôle. C'est très drôle. Bon, tout le monde sait qu'elle va prendre une raclée électorale. Donc là, elle essaie de manière assez pathétique de dire « Oh, mais j'aurai encore des marges de manœuvre. » Peut-être demain, elle va nous annoncer une fusion avec les trotskistes qui, quelque part, ne supportent pas les socialistes. Je ne sais pas. Je m'attends à tout avec cette femme. Sur son bilan, d'abord, en tant que parlementaire, il faut savoir que c'est une des moins présentes parce que c'est quand même une grande cumularde. Maire de la seconde ville de Midi-Pyrénées, présidente de l'agglo, présidente d'un grand syndicat. Elle est parlementaire. Elle veut devenir présidente de région. Ouf ! Si c'est faire la politique comme nous on l'entend, on est aux antipodes. Dans sa ville, elle brade tout ce qui est vivant est bradé. Elle privatise l'eau. Je suis allé manifester, elle veut bétonner le plus grand parc de la ville pour le donner à des intérêts privés. Si l'air était à vendre, Madame Barrège le mettrait en bouteille pour vendre également l'air. C'est une libérale jusqu'au bout des ongles. Le bilan environnemental
le gouvernement Sarkozy est absolument pathétique. J'étais en première ligne au Parlement européen, il ne faut pas l'oublier, sur le paquet énergie-climat. J'ai vu sous présidence française comment ils l'ont vidé, totalement vidé. Il n'y a rien sur les voitures, rien sur les transferts de technologies vis-à-vis du tiers-monde. Rien. C'est une escroquerie totale. Le Grenelle, vous avez peut-être entendu les violons. Moi, j'ai beaucoup entendu le pipeau. Il n'y a réellement aucune entente possible entre vous et Mme Barège, on l'a bien compris. Mais bien évidemment. Tout le monde le sait. Alors, le plus drôle, c'est que ça affole même ses propres troupes en disant, mais elle finit de nous discréditer parce qu'elle laisse entendre effectivement que M. Nesta et Europe Écologie sont à étiage très très haut et sont capables de jouer la grande surprise dans ces élections, voire de devant. Donc finalement, elle finit par crédibiliser notre propre campagne de manière absolument détournée. Voilà. Bon, elle est ridicule. Les sons là sont ridicules. Bon alors, c'est vrai que les Verts et même et Europe Écologie plus récemment, on vous a souvent taxé de parler d'écologie et finalement sans parler du reste. Mm-hmm. Aujourd'hui, l'écologie, c'est devenu un thème moins principal en tout cas, mais plus un thème transversal, je crois. Non, je crois que vous confondez deux mots, c'est pas bien. Écologie et environnement. On nous a souvent dit, vous occupez que d'environnement. Nous, on dit, non, on s'occupe d'écologie, et l'écologie, c'est l'environnement, c'est le social, c'est la culture, c'est la démocratie, c'est l'économie. Mm-hmm. Voilà pourquoi j'ai essayé de prendre à contre-pied cette image franchement datée, les petites fleurs, les petits oiseaux. Une fois de plus, je vous explique que dans mon parcours, je n'étais pas rentré à l'écologie à travers ça en plus. Ce n'est pas ce prisme-là, même si je pense que c'est à l'évidence qu'il faut défendre la biodiversité quand je vois que toutes les espèces qui disparaissent en ce moment, 99% des plantes dont on ne connaît rien sont en train de disparaître. Il faut quand même voir la menace. On est dans la grande extinction des espèces vivantes. Quand vous êtes rentré quand même en fin 90, c'était un petit peu ça quand même, les petites fleurs. Certains. Vous savez, les verts, le S au pluriel était très important. Parce qu'il y a certains qui étaient des monomaniaques du nucléaire, d'autres des monomaniaques du féminisme, d'autres des monomaniaques du relation tiers-monde. Et c'est petit à petit, le mouvement s'est construit en disant mais c'est le même productivisme, le même libéralisme, le même capitalisme qui porte atteinte à tel peuple du désert, à telle plante dans les Pyrénées ou à telle femme exploitée dans son entreprise. Vous voyez, donc il y a des mécanismes comme ça. Ça a été assez long à se construire. Une pensée politique, elle est très jeune, elle est très jeune par rapport aux partis fossiles que peuvent représenter les conservateurs, les radicaux, les communistes, les socialistes. Tout ça, c'est des papilles à côté du mouvement écologiste. Hein. Ils sont, pour certains, plusieurs fois centenaires. Il faut quand même s'en rendre compte. Donc nous, on est assez jeunes, on a à peine plus de 20 ans. Donc, maintenant, je prends justement un petit peu à contre-pied cette image qui est fort datée en parlant d'économie et d'emploi. Mais quand je définis l'emploi vu par les écologistes, d'un seul coup, eh bien, sans prononcer le mot, je sauve les petites fleurs, les petits oiseaux. Parce que l'emploi que l'on imagine, c'est un emploi qui est environnementalement souhaitable, socialement utile, où on relocalise l'emploi. Relocaliser l'emploi, ça veut dire également relocaliser le lieu de décision. Quand une entreprise qui a une capacité comme Molex ou autre, on prend Molex parce que c'était devenu le symbole, peut-être un petit peu trop. Je ne dis pas que les gens de Molex n'étaient pas des femmes. Bien, au contraire, leur combat était ô combien estimable. Mais à travers ce machin hyper médiatisé, on a oublié qu'il y avait des dizaines et des dizaines de Molex, d'ailleurs, en Midi-Pyrénées, avec le chômage est passé de 7 à 9% l'an dernier. Pour une région dont on dit que le bilan est bon, on demande un petit peu à gratter derrière le vernis. Donc l'emploi, on veut le relocaliser à travers le circuit de décision, parce que j'étais encore dans les Hautes-Pyrénées hier, où on voit que ces entreprises qui ont un carnet de commandes, qui ont un savoir-faire, qui ont des bons produits, tout simplement parce qu'ils ont été rachetés. Ça appartient à des fonds de pension américains ou chinois. Au dernier moment, on décide de tout casser. Et bien dans ces cas-là, selon nous, la région doit se substituer en disant, on va vous aider à passer en scope, par exemple. On va faire un fonds qui va vous aider à... Voilà. Donc, relocaliser l'emploi, ça permet également d'avoir des circuits beaucoup plus courts. C'est beaucoup plus court, ça veut dire qu'on ne transvase pas des marchandises d'un bout à l'autre de la région, voire d'un bout à l'autre du continent. On économise de l'énergie, on ne flingue pas le climat. On a moins de particules qui dans l'air, donc les taux de maladies auto-immunes, cancer et compagnie également vont chuter. C'est bon pour tout le monde. Et ça permet également, notamment dans la ruralité, d'avoir une désertification qui s'arrête. Parce que le mal de Midi-Pyrénées, c'est une ville toulousaine qui enfle, et un désert qui grandit autour. Donc parler d'emploi, c'est parler de solidarité, c'est parler d'environnement, c'est parler de mécanismes économiques à réguler, sans prononcer le mot ni petites fleurs ni petits oiseaux. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'écologie. Le mot emploi. On a l'impression que c'est une des rares régions qui en parle réellement comme ça. Arnaud Lafont en parle aussi. On a l'impression que c'est un gros thème ici. Ah bien, parce que je crois que l'emploi est en grave difficulté en Midi-Pyrénées, tout simplement. Quelque part en négatif, on fait également le bilan de l'équipe sortante en disant ça. C'est vrai qu'il y a un paradoxe, par exemple, l'aéronautique. Les gens qui travaillent chez Airbus et autres sont
une capacité intellectuelle hors pair, des capacités techniques donc il faut saluer. Ce sont des équipes d'hommes et de femmes absolument fantastiques. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est terriblement fragile. On sait très bien que la 380, dont nous annonçait Monts et Merveilles, nous étions les seuls à avoir un esprit pour le moins critique sur cette affaire-là, en disant attention, quelles sont les chaînes qui vont venir en déduction. Et puis un jour, la 380, si jamais ce mécano se grippe, M. Forgeard, à l'époque, m'avait reçu pendant 4 ans en disant « Monsieur Nesta, à la minute près, je suis capable de vous dire quand la 380 va sortir des… » Il s'était trompé, pas d'une minute, mais de 4 ans, hein, donc vous voyez à peu près. Voilà. Maintenant, on nous dit que la 380, ce n'est plus 400 avions qu'il faut sortir pour amortir la chaîne, mais 700. L'an dernier, on en a vendu 9. 9 sont sortis, voilà. Vous imaginez combien de décennies va falloir ? Et dans ces décennies-là, où en sera le climat, où en sera le prix du kérosène, où en sera le transport aérien ? Alors, nous, on dit que… Il faut penser à des reconversions, il faut penser à des diversifications, parce que ce n'est pas simplement Airbus, c'est tous les sous-traitants. Mmh. Quand Airbus s'enrhume, eh bien, la variable d'ajustement, eh bien, il donne moins à ses sous-traitants. Et là, j'ai visité au moins 4 départements où tout tient à travers Airbus. Donc, on a une fragilité extrême qui est la monoculture, notamment avionique, également une agriculture qui, pour l'instant, représente plus d'emplois, on l'oublie, plus d'emplois en Méditerranée que le secteur aéronautique, qui est également en voie de casse. Mmh. La moitié des agriculteurs ont disparu en 20 ans dans notre région, la moitié. D'où le fait que vous parlez beaucoup de l'agriculture, beaucoup des agriculteurs, parce que comme vous le dites, il n'y a pas d'agriculture sans agriculteurs. C'est vrai qu'Airbus, j'ai feuilleté pas mal le programme, on n'en parle quasiment pas. Airbus est en mode de tension, c'est-à-dire en mode de survie, en mode de tension. C'est que le programme A400M est quasiment mort. La 380, regardez ce que disent les syndicats eux-mêmes maintenant, on met sur ce projet des gens un petit peu que l'on veut punir, alors que c'était la Rolls il y a encore quelques années. On sait très bien que tout ça est extraordinairement difficile. Si la région mise tout sur Airbus, elle est morte. Et Airbus doit penser à diversifier ses productions. Mais c'est Airbus qui représente la région aujourd'hui. Eh bien, c'est un tort. C'est-à-dire qu'à l'Europe, vous qui étiez à l'Europe, quand on parle de Midi-Pyrénées, on parle plus d'Airbus que de Airbus et de rugby, c'est à peu près tout. Et moi, voilà. Qui étais fondateur de l'intergroupe rugby au Parlement européen, j'ai assez content. Mais vous savez, combien de fois des régions ont été dévastées parce qu'elles avaient tout misé sur la monoculture ? Regardez, la sidérurgie qui ne devait jamais disparaître, flinguée. Les mines, le textile. Voilà. Donc, on voit bien qu'il faut jouer de manière beaucoup plus diversifiée, si on veut. Et l'agriculture est pour nous d'importance. Pas simplement pour l'agriculteur. Je vais expliquer pourquoi. Pour nous, il n'y a pas d'agriculture sans agriculteur. Mais il n'y a pas d'agriculteur sans terre non plus. La plupart du temps, les jeunes nous disent, j'étais encore dans le commerce il y a quelques jours, on nous dit, mais moi je suis prêt à m'installer, je demande que ça, mais je ne trouve pas de terre. Bien, la région doit lancer un mécanisme de préemption des terres agricoles pour fournir justement à ces agriculteurs une capacité de s'installer. Si on maintient l'agriculteur, bien sûr le coup, c'est l'école qui ne ferme plus. C'est le commerce qui ne ferme plus. C'est le service public, la poste, la gare, etc., qui ne ferme plus. Donc, en défendant cette agriculture paysanne où il y a de nombreux agriculteurs, on se rend compte que c'est tout le maillage de la vie en Midi-Pyrénées qui repart. Ça veut dire qu'également, on va avoir des circuits courts pour la transformation des produits. Ils seront valorisés sur place. C'est fini le moment où l'abattoir est à 60 bornes, où la transformation du lait doit se faire à 100 km de là. On créera de l'emploi para-agricole de proximité. Mm. Si l'on pense à circuit court, ça veut dire que le paysan vend beaucoup plus directement son produit qu'en en passant par je ne sais combien d'intermédiaires qui se sucrent sur la sueur du paysan pour au final arnaquer le consommateur. Et bien sûr, on a un circuit court à travers les AMAP, à travers les marchés paysans, à travers les magasins paysans, etc. Des choses que l'on peut mettre en place, que la collectivité publique peut aider à mettre en place. C'est des prix rémunérateurs pour le paysan. Donc, il vit enfin du produit de qualité qu'il est en train de nous fournir, mais c'est des prix accessibles également pour les consommateurs. Au passage, on a dépensé beaucoup moins d'énergie à transporter. On a créé de l'emploi pour la valorisation et la transformation. On a des prix enfin rémunérateurs pour les paysans. On a de la santé dans l'assiette. On a des prix accessibles pour le consommateur. C'est gagnant sur toute la ligne. Il faut amorcer la pompe. Que fait la région ? Non, mais aider à installer des agriculteurs, donc c'est sûrement très bien. Aujourd'hui, il y a quand même un chiffre qui est tombé. 25% des agriculteurs, en tout cas, risquent de fermer boutique avant la fin de l'année 2010. Alors, les créer, c'est bien, mais comment les faire se pérenniser ? Bien, justement, en faisant évoluer complètement la chaîne agricole telle que je viens de le dire. Et le mot circuit court est d'importance. Diversification également, à travers le tourisme.
le tourisme dit de masse monomaniaque où on balance tout pendant quelques semaines sur quelques pistes de moins en moins enneigées, quand je vois Mme Barège et M. Malvy faire une course à celui qui va promettre le plus de Jeux Olympiques dans les Pyrénées, en 2022, il faudra peut-être leur dire qu'en 2022, on n'est pas tout à fait sûr qu'il y a encore de la neige en Midi-Pyrénées et que tous les millions qui vont être dépensés pour faire la promotion de ce machin-là, on est dans le bling-bling, je suis désolé. On n'est pas dans la construction d'un tourisme diffus dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire que tout le territoire a une vocation, parce que la biodiversité est intéressante, parce que la culture ici est intéressante, parce qu'il y a un projet industriel que l'on peut visiter, une scierie par exemple, c'est fantastique à visiter pour une famille et des gamins pour voir comment sert le bois, à part qu'il n'y a pas beaucoup de scieries malheureusement en Midi-Pyrénées, puisque la filière bois est en déshérence, alors qu'on est un principal massif forestier français. Bon, donc, il est possible que les gens aient plus envie quand même d'aller sur les pentes enneigées que d'aller visiter une scierie. Parce qu'on vous a formaté, camarade, vous n'êtes pas rendu compte qu'on vous a expliqué que le bonheur, c'est forcément d'être vachement fun, fluo et de dévaler des pentes. Vous savez, quand on va à la neige, on passe parfois plus de temps dans l'embouteillage pour monter, faire la queue au tire-fesses, que dévaler des pentes où, contrairement à l'image, on n'est absolument pas seul au milieu d'une montagne idyllique. Voilà. Donc, il faut... Et c'est la même chose pour des régions qui ont des mers ou des océans, parce qu'on est dans un tourisme béton où les gens, c'est assez aberrant, quittent leurs grandes barres de building pour se retrouver dans des grandes barres sur un autre, en bord de mer ou en bord de neige. Donc il y a certainement des choses à faire évoluer. Les activités de plein air, le ski a certainement sa place, mais pas toute la place. Bien ça peut être également un complément à une agriculture. Mais on n'a pas anticipé. Le cœur de notre projet, c'est vraiment anticiper les problèmes. Pas simplement dire, oh ben là, il y a un problème, je cours derrière colmater la brèche que j'ai quelque part moi-même créée avec mon système et qui n'a pas pensé. C'est réorienter vraiment et c'est gouverner autrement. Changeons de rythme, changeons de sens. Hein. On va changer de rythme, il y a des choses qu'il faut stopper, il y a des choses qu'il faut démarrer, il y a des choses qu'il faut accélérer, des choses qu'il faut ralentir. Et puis effectivement, on va donner du sens, notamment, comme je disais au début de notre propos, en faisant participer les citoyens, avant la décision. La décision elle-même au sein du conseil régional doit être collégiale, y compris en donnant du rôle à l'opposition. Y compris. Si au Parlement européen, moi qui étais en opposition, j'ai pu faire des choses, c'est qu'on avait un règlement qui permettait à l'opposition de bosser. N'ayons pas peur, la minorité sera toujours minoritaire au moment du vote. Si ces propositions sont absolument nulles, elles seront nulles. Et quand j'étais dans le Comège, quand je me suis rendu compte que tous les élus, tous les maires, ils sont 110, 112, n'étaient pour un parc naturel régional du Comminges, promis par M. Martin Malvy il y a 6 ans, qu'il a oublié pendant 6 ans et qu'il le repromet aujourd'hui. Donc tous les 6 ans, on peut réactiver une promesse, c'est très bien. Qui est porté par toute l'association, mais qui au dernier moment, parce que les promoteurs de cette idée-là n'avaient pas la bonne carte politique, on ne fait pas, par contre on fait celui du Couserans, qui a été socialo-compatible, arrive un moment, c'est totalement idiot, parce que c'est tout un territoire qui est dévasté, en l'occurrence le Comminges, voilà. Donc on essaiera d'avoir de la collégialité et de la transparence au moment de la décision, et on poussera le vice, ou la vertu, je ne sais pas comment il faut dire, à penser une troisième étape, post-décision, c'est-à-dire qu'on veut l'évaluation publique des résultats. On me dit, Monestat, t'es fou. Si tu deviens président, tu n'auras quand même pas critiqué ta propre politique. Et ce n'est pas une histoire de critiquer sa propre politique, c'est de l'évaluer. Si on a vraiment fait une phase de concertation approfondie avec les gens de terrain, les acteurs qui savent ce qu'il faut faire, si au moment de la décision, on l'a fait dans la transparence et la collégialité, il ne faut pas avoir la trouille du citoyen en disant, mais voilà quel était notre objectif. Ah, on ne l'a pas atteint. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut encore changer? Voilà. C'est ça une gouvernance saine au XXIe siècle. Et tout à réinventer. Qu'est-ce que vous voulez stopper dans la région? Que fait Martin Malvy? Il y a des choses que vous voulez stopper réellement? Alors, pas forcément que fait Martin Malvy, mais que fait notre société, le système actuel. Par exemple, les OGM. Par exemple, les OGM, on sait très bien que ça n'apporte aucune plus-value aux paysans, que tous les tests maintenant montrent qu'il y a des problèmes de santé chez les rats de laboratoire. Donc, je préfère vous dire que j'ai pas envie d'être le rat de laboratoire suivant, ni vous, ni vos proches, je vous le souhaite pas. Que en plus, ça pollue les voisins, donc qu'est-ce qu'on va devenir? Que vont devenir tous les labels AOC que l'on a mis en place, tous les labels bio, etc. On ne sait pas. Donc voilà, par exemple, un exemple, pour nous, les OGM, c'est stop. Alors, j'ai l'impression que vous plaidez un petit peu pour du mieux-être, finalement. C'est-à-dire, vous parlez de l'emploi, du retour des services publics, bien vu, jeune homme. De l'aménagement du territoire que vous voulez refaire un petit peu. Finalement, c'est ça le grand axe de cette campagne, mieux-être. On nous a souvent dit, l'écologie, ça va être du sang et des larmes. Parce qu'on va écouter les écologistes, il n'y aura plus de bagnoles, il y aura moins de pubs à la télé, etc. Mais, non, on pense que c'est une société totalement différente, mais on croit qu'elle sera vachement sympa à vivre. Effectivement, on n'est pas dans une logique d'accumulation de biens. On est dans une logique de tissage de liens. Effectivement, c'est du bien-être partagé. Et de toute façon, je vais vous le dire, on n'a pas trop le choix.
Parce que si on attend 10 ou 20 ans de plus et qu'on continue toutes les crises que l'on connaît, financières, pétrolières, climatiques, alimentaires, biodiversité, culturelles, la liste est fort longue, mener le bal, là, il y aura des mutations obligatoires, mais elles se feront dans la douleur. Certains en profiteront et la plupart resteront sur le bord de la route, la gueule ouverte et les mains en sang. Voilà. Donc nous, on veut essayer, une fois de plus, d'anticiper ces problèmes, de réorienter les choses. Et je peux vous dire qu'au résultat, il y aura beaucoup plus de santé pour tout le monde, il y aura du travail pour tout le monde, il y aura du travail qui ne polluera pas. On est assis sur des écofilières ici, on ne s'en rend pas compte. On a le nucléaire à Golfech, dont on sait qu'il est également obsolète. Je ne parle pas de tous les dangers d'explosion, mais le minerai d'uranium va se terminer en même temps que le pétrole, on le sait. Alors qu'on a un gisement d'énergie renouvelable, on a une chance en Méditerranée, on a la planète complète. Il y a des régions qui ont du soleil, mais qui n'ont pas de vent, qui ont de la biomasse, mais qui n'ont pas d'hydraulique. Nous, on a tout. La géothermie, le vent, l'éolien, on a tout. Qu'est-ce qu'on attend pour l'exploiter ? L'écofilière dans l'économie sociale et solidaire, qui représente 11% déjà de l'emploi en Midi-Pyrénées, c'est tout le lien social, l'aide à la personne. On sait très bien qu'on va vers une société qui va vieillir. Tous les 100 000 centenaires qu'on nous annonce en France pendant quelques années, qui va s'en occuper ? C'est pas leur fille de 80 ans qui va s'en occuper. Mmh. C'est pas le service public, il n'a pas le moyen. Donc ça va être ce tiers secteur qu'il faut soutenir. Voilà. Il y a tout le travail à faire sur le transport en commun. Si l'on doit créer des outils de transport nouveaux, comme j'ai dit aux gens d'Airbus, peut-être que dans quelques années, vous serez moins dans l'air et un peu plus dans le bus. Et le boulot, il sera là, parce que vous avez une capacité technique absolument hors pair. Donc vous voyez, là je suis en train de redéfinir une société qui effectivement, de bien-être. Le projet d'écologie, c'est forcément le bien-être. Et pas aller vers ça, par contre, c'est une société de transition absolument gravissime au niveau local et au niveau global. Alors pour tout cela, il y a 200 propositions. Alors bon, avoir des idées, c'est quand même bien. Vous venez nous les exposer depuis tout à l'heure. Pour financer, on fait comment ? Alors, il y a plusieurs sources. Parce que c'est quelque chose qu'on a regardé, vous imaginez, en détail. D'abord, je ne désespère pas qu'un jour les régions françaises aient les moyens de leurs homologues européens. Je donne l'exemple de la Catalogne. On va dire, bon, la Catalogne est plus peuplée. Alors on va prendre, je ne sais pas, moi, l'Euskadi ou le Schleswig-Holstein, qui ont exactement la même population que Midi-Pyrénées. Là, il y a un rapport encore de 1 à 10 en capacité financière. Donc là, j'espère que les présidents de région, quels qu'ils soient, ne se verront pas comme ils ont toujours fait, que simplement des barons dans leur territoire, mais vont travailler ensemble pour aller taper du poing du côté de Paris en disant qu'il y a une réforme territoriale, régionale absolument nécessaire. Tout le monde l'a fait en Europe, sauf nous. Donc il faut élargir déjà les moyens des régions. Je ne dis pas qu'on va arriver du jour au lendemain à ce que pèse la Catalogne, mais entre 1,3 et 37, vous convenez qu'on peut faire un petit peu bouger le curseur. Premier élément. Deuxième élément, il va falloir également faire des arbitrages au sein de cette enveloppe si elle ne bouge pas. Tout à l'heure, je disais qu'on peut économiser beaucoup sur le bitume. Ça a l'air de rien, mais c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions d'euros que l'on peut également utiliser ailleurs. Si l'on pense, par exemple, à notre projet de passe vert, quelqu'un qui descendra du train pourra prendre gratuitement la connexion pour le bus, le tram et le métro. Là, d'un seul coup, on rentre dans une logique de transport en commun qui est coordonnée et qui a de la gueule. Voilà. Donc, on réoriente au sein du budget. Et puis, également, on regarde ce qui s'est fait ailleurs, y compris dans des régions socialistes. Donc, ce n'est pas une question qu'on veut bouffer du socialiste pour bouffer du socialiste. Mais plutôt que de donner des subventions, si vous avez un projet, vous venez voir le conseil régional et dites, voilà, j'ai besoin d'un million d'euros. Je sais très bien que vous n'allez pas me donner un million d'euros, je vous en demande 100 000. Si je vous donne 100 000 de subventions comme ça, sans regarder votre projet, j'ai fait de vous un bon client et je distribue les enveloppes comme ça. Donc on pense d'abord qu'il faut étudier le projet. Si votre projet n'est pas bon, il ne faut pas subventionner. On ne va pas donner de l'argent public, hein, c'est l'argent du contribuable. On va vous aider, on ne va pas vous laisser tomber. On va vous réorienter en disant, voilà, ton projet, il faut le revoir dans telle direction ou telle autre. Mais on peut faire mieux que ça. On peut aller voir votre banquier. On a étudié le projet, on pense qu'il est au contraire vachement sérieux. Il va créer de l'emploi, du bien-être. On va voir votre banquier, on dit, la région garantit 1 million. Votre million, vous l'avez, c'est votre banquier qui le donne et c'est la région qui le garantit. Et la région ne risque rien parce qu'elle a étudié en détail le projet. Donc vous voyez, là, on a un levier pour quasiment décupler par endroit le pouvoir de la région. On peut également, ce qui ne se fait jamais, proposition d'Europe Écologie, quand les régions font des emprunts, plutôt que chacun les négocier avec un banquier, on fait des emprunts transrégionaux. Vous comprenez bien qu'emprunter 10 millions, on emprunter 100. Quand vous négociez avec votre banquier, vous faites baisser les taux d'intérêt. Baisser les taux d'intérêt, ben, ça veut dire que vous avez du coup davantage d'argent en caisse. Il y a plein d'idées comme ça pour abonder les fonds publics. Et si au final, il y a besoin d'augmenter l'impôt, vous savez que l'impôt régional, c'est peanuts, hein, votre feuille d'impôt par rapport à la ville ou au département, la région, c'est quasiment rien. Eh bien, on peut très bien dire, après tout, si on veut lancer
tel mécanisme, on redéploie complètement les transports. Est-ce que vous voulez vraiment avoir des trains qui passent dans tous les quarts d'heure, dans toute la région, pour vraiment... Oui, ben, peut-être ça va augmenter les impôts allez, de 5%. Ben, 5%, ça veut dire quelques fractions d'euros par mois. Hein. Mmh. Est-ce qu'on est prêt à faire ça ou pas? Et si vraiment on veut prendre un risque fou à ce niveau-là, pourquoi pas un référendum? En disant, ben voilà, ce budget participatif, ça vous intéresse cette option? On reste une option beaucoup plus classique. Voilà. Vous voyez, les marges de manœuvre existent, hein. Politiques, financières, budgétaires, fiscales. Encore faut-il avoir un minimum d'imagination politique, un petit peu d'envie de changer les choses. Et pas simplement gérer de manière notariale en disant je distribue les subventions, comme ça tout le monde est content et tout le monde fera ma réélection. Bon, on va passer maintenant à la dernière partie de l'émission. Il nous reste 3 minutes, alors il va falloir répondre très très rapidement. Tac, tac. Du tac au tac, on est à 15 jours des élections, à peu près, un peu plus de 15 jours. Moi, j'ai apparenté ça, les élections, à un grand entretien d'embauche devant les électeurs. Alors, moi-même, je vais vous faire un entretien d'embauche tout de suite. Mmh. Alors, si vous avez 3 qualités, 3 défauts à me donner. Europe Écologie ou Onesta? Non, Onesta. Je suis quelqu'un qui tient ses engagements. Réglo, Onesta, quand je dis, je fais. Quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, il le sait tout de suite. Je ne fais pas semblant de ne rien dire sur l'ours, sur la traversée centrale des Pyrénées, sur le TGV, sur le barrage de Charlas, pour me fâcher avec personne. Je suis assez carré. Donc, on aime, on n'aime pas, mais au moins, c'est franc de collier. Ensuite, je suis un bon gestionnaire. Chaque fois qu'on m'a confié de l'argent public et des sommes colossales, elle a toujours été très, très bien gérée, avec des économies substantielles à l'arrivée. Et puis, j'ai une vraie envie de réorienter les choses. J'en ai assez de voir ce monde qui se délite et les collectivités territoriales ne rien faire, simplement attendre l'apocalypse tranquillement en disant « Allez, encore 5 ans, encore 10 ans ». Non, c'est maintenant qu'il faut agir. Voilà. Bon, il nous manquait les défauts, hein, mais c'est pas grave. Quelle est votre principale réussite, très rapidement? D'avoir contribué, je n'étais pas seul, à l'émergence d'une toute nouvelle famille politique qui est porteuse d'espoir. Ma grande trouille, je vous le dis, ce n'est pas le score que l'on va faire le 14 mars ou le 21 mars, c'est de ne pas être à la hauteur des espoirs que l'on a soulevés. Parce qu'il y a tellement de gens qui comptent sur nous maintenant, les écologistes, il faut qu'on soit à la hauteur. On n'a pas le droit de décevoir. Votre plus grand échec? C'est de ne pas avoir fait comprendre à quelques mouvements de gauche à quel point ils doivent également changer leurs pratiques. Et peut-être que l'endroit où s'arrêtait le curseur entre socialistes et écologistes le 14 mars va permettre à ce vieux parti socialiste de comprendre enfin qu'il fasse sa mutation. On est là pour l'aider. Bon, dernière petite question, vous faites du sport? J'essaie, malgré cette campagne affolante, de continuer à faire mon jogging dominical et un petit peu de natation. Mais c'est vrai que la politique est déjà un sport de combat et que ça bouffe pas mal de calories. Ben, merci beaucoup en tout cas. J'en fais moins que Claude, mon cousin. Oui, je me doute. Merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau. Nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission spéciale élection régionale avec Brigitte Barège. Bonne soirée sur Toulouse Info.